Yo, bonjour tout le monde, on est reparti sur la suite du patch du golem. Alors, cette saison, on va essayer de faire au minimum 6600, au minimum 6600 en ladder. Pourquoi? Déjà parce qu'on nous a fait un petit concours en mode, hey, tu fais 6600, t'as machin. Alors, du coup, ouais, go, let's party. Donc, on nous offre le pass royal. Le pass royal, si je fais 6600, donc c'est important de le faire. Ça me fait plaisir aussi de partager un peu de gameplay de deck golem. Et ça fait une série un peu plus ladder où on va monter plus haut et ça vous apporte d'autres types de contenu. Et moi, je trouve, j'aime bien. Donc, ça me fait plaisir, voilà. De toute façon, c'est un peu la base de tout, hein. Mais ça fait plaisir de faire, évidemment, on fait beaucoup. On fait. Non, 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 je voulais débloquer le coffre. Non, je me suis raté. C'est pas grave. Legend de Dark. Okay. Allez, on est focus. On a du golem, de la tornade. Okay. Arrête, c'est beau, ça. Ah, j'ai mis tellement de temps à répondre que j'ai même pas activé le roi. Bordel. Mais arrête. Pourquoi tu fais ça, mon ami? C'est trop bizarre. Ok. Fuck. Ok. D'accord. Ouais, bah je pars en golem, je m'en fiche. Alors, t'as quoi pour défendre un golem? Je vais jouer comme lui, ok? On joue comme lui. On joue au même jeu que lui. Il joue à l'armée squelette, d'accord. Il va nous faire mal, hein. Je m'en fiche, hein. J'ai dit que je partais en golem, je pars en golem, mais c'est par respect. Et vous voyez, c'était nul, c'était tout pété, du coup je prends super cher à droite. C'est tellement nul. Ah, mon golem, il était tellement nul. Vous voyez pourquoi il faut pas gueuler au point 1. Vous savez jamais si l'adversaire il joue pas une TDE barbare d'hélice. Voilà pourquoi il faut pas le faire. Je l'ai fait juste parce que... Voilà, mais je trouvais qu'il me respectait pas, j'avais envie de pas le respecter. Et au final, bah, j'ai perdu. J'ai perdu à jeu. Bon, c'est pas fini, hein, cependant. Je préviens que la prochaine TD, on la foudre. Hein. Je préviens que la prochaine, elle se fait foudre. Les barbares d'élite, ils vont venir au milieu là. Hein. Hop, hop. Ils vont venir là. Ok, zap, parfait. Clac ton initial, y'a pas de soucis pour nous. Ok. Alors. Jean-Michel. Je vais partir à droite pour le prochain golem. Je vais attendre un peu ce moment. J'attends. Je sais pas si je suis en avance sur l'élixir. Ok. Il y aurait 2-3 dégâts, mais. Ah, 2-3 millions de dégâts, mais est-ce que c'est grave? Ok. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux perdre là-dessus, sérieusement? C'est pas grave. On se reprend. On fait pas n'importe quoi. Ok. Oh, c'est la pire partie de toute ma vie, je crois. À peu près, hein. À 2-3 vies près, on doit être dessus, hein. Ah, je vais perdre. Oh bordel, j'ai perdu. J'ai perdu contre lui. Oh bordel. Énorme. Énorme. Franchement, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, on va rattraper tout ça. Bon, vous voyez, il faut pas envoyer les golems. Enfin, les golems en fois 1, c'est vraiment un play tout pété. Hein. C'est un play à l'aveugle qui ne marche pas. C'est. Voilà. Par A plus B, vous avez la preuve que c'est tout pété de mettre des golems en fois 1. Bon, c'est bien, ça fait plaisir d'avoir fait gagner quelqu'un qui joue mineur 11 barbare d'élite, tour de l'enfer princesse, parce que quand même, voilà, il en faut pour tout le monde. Hein. Alors, ici, je vais juste def en aérien. Ça lui coûtait assez cher à défendre ça, c'est pour ça, en fait. Ok, sorcier. Tu survis, tu mets un coup. Non, encore une fois. Bordel, ils sont trop fragiles. Ils sont tous fragiles là. Qu'est-ce qu'ils ont à être fragiles comme ça? Ça ne se fait pas. Bon, en plus, je me doutais, mais je voulais tenter quand même l'activation du roi. Mais pourquoi ils sont fragiles? Pourquoi ils sont fragiles comme ça, les interfaces? N'importe quoi. Bon, ça devrait bien se passer normalement. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va attendre. On va attendre simplement. Ok, d'accord. Ok, très bien.
Bon, là, cette fois-ci, on peut golem. Il a claqué beaucoup d'élixirs, on sait très bien qu'il pourra pas nous punir. On va pouvoir stopper la charge du prince avec les squelettes. Par là-bas. Voilà. Ah, ok, maintenant il a son sorcier. On va gérer le sorcier. On va laisser à droite le barbare connecté sur la tour. C'est pas dramatique, il va pas faire si mal que ça. Notre sorcière de la nuit, elle génère de la bonne value. Il a déjà claqué le zap. Donc là, c'est un moment où on peut, en théorie, mettre un petit force inhibeur. On va mettre un petit bûcheron. Juste histoire de dire hey, yo, 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 yo. Allez, MG, tu sors l'autre. Allez, ouais, ouais. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 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 bah, vous voyez, plus de tour. Le problème est réglé, la tour. Nickel. Alors, on a sorcière de la nuit, bébé dragon, goulem. On va partir en ça, et on verra bien ce qu'il fait. Ok. Bon, je vais def, je vais def. Bon, je suis pas obligé de partir en push golem tout de suite. Quoique, en vrai, je peux def comme ça. Je me prends quasiment pas de dégâts si je fais ça. Allez, une charge de prince, c'est correct. On accepte. Là, il a claqué les barbares, donc les barbares, ils vont se prendre les coups des battes. Après, ils vont se prendre l'explosion du golem. Et surtout, ça nous achète du temps. Pendant ce temps-là, ils nous attaquent pas. Et ça, on est bien content. Ouais, les battes, elles font tellement mal. Ok. Alors, c'est juste une MG. Là, on cycle toutes nos petites cartes. On joue en mode safe. Hein. On joue en mode tu ne passeras pas. Yo, 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 yo. Là, il va nous mettre un coup, mais c'est pareil, c'est pas dramatique. S'il a un gel ou autre, bon, il se prend une tornade. Ok. Ouais, on risque rien. On risque pas grand chose, ça se passe bien. On peut se repérer d'être une foutue sur son sorcier, histoire de dire. Allez, si on joue comme ça, ça devrait bien se passer toutes les parties. Allez, la MG, tu prends la tour. Le passe royal. Deux couronnes pour le passe royal. Ça, c'est ça qu'on veut. Deux couronnes. C'est parti. Ok, ok, let's go. Let's go. Ah, j'ai encore oublié de débloquer mon coffre. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on n'est pas bloqué en nombre de trophées. De toute façon, on n'ouvre pas forcément tout parce que on attend le pass royal complet pour tout ouvrir. C'est pas très grave s'il y a un petit coffre en moins. Alors, sorcière de la nuit, MG Foudon. Ok. Mousquetaire, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas que tu fasses ça. Ok. Bon bah là, on a pas trop de choix. Oh non, le bomber! Oh, il va sortir ma sorcière. S'il tue ma sorcière de la nuit, la game est pas bien. Normalement, il la tue pas. Hein. Normalement, il la tue pas. Ok. Ouh! On vit un autre jour. Eh ben, j'ai eu peur. Je peux vous dire, j'ai eu peur. J'ai eu la peur de ma vie. Par contre, moi je bourre, hein. Je reviens. Ok. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que vous avez une impression de déjà vu? Déjà. C'est comme ça qu'il disait français, il me semble. Ok, le bûcheron qui allait se faire la tour tranquillement hein, parce que c'est un bon bûcheron. Ah, on a du bédragon, des squelettes. Recyclons tranquillement. Sorcière, ça en x1 c'est relou. En x2 c'est ira mieux parce qu'en x2 on lui mettra des foudres. On cherchera pas plus loin. On cherchera pas midi à 14h hein, comme on dit en France. Voilà, c'est parfait. Maintenant il faut réussir à défendre ça sans se prendre trop de tarifs. On va mettre la sorcière de la nuit. Orage! Mais c'est quoi ces joueurs de ladder? Mais pourquoi tu ferais ça? Ok. Bon, au passage, la mousquetaire qui s'est ajoutée à la foudre, on a dit oui. Hein. On dit clairement oui. On aurait pu ajouter un bûcheron là-dessus. Hein. On l'a pas fait, mais il y a un monde dans lequel on le faisait. Ouais, honnêtement, pas besoin de rajouter là-dessus. Bah, golem. C'est parti. C'est parti pour le golem. On est en x2, on a l'avantage en élixir. On a un magnifique caillou sur le terrain. C'est parti. Regardez comme il est beau avec sa couronne. C'est la seule unité que j'ai montée sur les skins, mais il est magnifique. Très très beau. Ah, j'aurais dû mettre le bûcheron, c'était mieux, je pense. Quoique, non, le bûcheron a def à gauche du coup. Ah, enfin, un truc comme ça. Ok. Ah, et la MG était dessus. Ah, j'aurais pas dû foudre. Non, la foudre était toute pétée. C'est pas grave, parce que là on tue la Skarmie. On va aller prendre la tour. Allez, on prend la tour. Voilà, et bon, il reste 25 secondes, donc normalement, les carottes sont cuites. Mais ça sort d'où cette expression, ça, d'ailleurs? C'est une bonne question. Là, au pire, il gère, mais on a la tornade, on a tout. On a tout, absolument tout. Tiens, on va tuer ce bomber, d'ailleurs. On va tuer son bomber. Ok. Viens là. Non! Non, fais pas ça! Non, non, non!
Petit filou, va. Petit filou. Bon, il prenait le tour de gauche, c'était pas très grave non plus, évidemment. Évidemment, c'était pas dramatique. Ok. On est reparti. Ah, on ouvre le coffre cette fois-ci. Ouais, rien qui va dans le golem. C'est parfait, c'est exactement... Non, je voulais... Ouais, ça... ouais. Allez, let's go. Alex de Columbia Elite. On a du B-Dragon, des squelettes, de l'AMG, du golem. Non, on est sur une main correcte. Il manquerait une petite tornade, mais c'est pas très grave. On verra ce qu'il décide de faire, s'il envoie une petite voleuse faire, ou un truc comme ça. Je suis un peu curieux. Un peu curieux de savoir ce qu'il a joué. J'aimerais bien du 2.9 en face, ça serait sympa. Un petit 2.9 là. Petit Arkix. Ou un petit 2.6 aussi. J'ai envie de jouer contre un Fast Cycle. Peu importe ce que tu joues. Tu peux être mineur Fast Cycle, tu peux être. J'ai envie de jouer contre un Fast Cycle. Pas un PK. J'ai pas envie de jouer contre PK. Voilà, c'est ma seule condition. Je te serais gré de la respecter. Okay, par exemple, bébé dans le lag. Alors, c'est pas ouf, hein. Évidemment, il n'y a pas de bon play quand l'adversaire part en mousquetaire first en golem. Qu'est-ce qui ça joue? Ok, ça joue ça. Ok, ça va se faire tornade. Alors, c'est du cochon, mais alors du cochon pas si fast cycle que ça. Cette fois-ci, il activera le roi. Là, je suis obligé de bûcheron par contre. Ok. Voilà, je suis pas bien en élixir. Est-ce qu'il va réussir à me punir là-dessus? C'est possible. C'est le problème des mousquetaires. Vous avez vu la value en élixir qu'elle a généré, cette mousquetaire. C'était incroyable. Hein. C'était vraiment dingue. Bon, là, on def à l'AMG. Donc là, on va faire un petit trade positif. Elle devrait pas pouvoir connecter. Hein, ça va Kiri. Il va remettre une mousquetaire. Et là, ça va commencer à être la palette. Ça va commencer à être galère. À voir s'il met un cochon ou autre. Là, on va attendre de voir. Je défends juste à la foudre. Hein. Moi, je m'en fiche. S'il met un cochon, il se prend des squelettes. Ça va. On est toujours pas bien élixir, mais c'est le foie, hein, donc bah, foie, hein, en même temps, on subit. Bon, j'ai pas envie de me faire connecter, en fait. Non, tu touches pas à toi. Non. Heureusement qu'on a mis une tornade, hein, parce que vu qu'il a zap, il aurait pu nous faire très mal. Et là, voilà, enfin, on arrive au moment où on va pouvoir souffler un peu, on va pouvoir jouer un peu notre jeu. Le x2. Donc là, il a claqué son cochon, donc on peut partir en golem. Donc, pas de soucis pour nous, hein, bûcheron contre bûcheron. On accepte le trade. Alors ici on a plusieurs options, on va quand même garder pour foudre. Mais en attendant on peut claquer juste une sorcière de la nuit. Voilà. 1, 2, 3, maintenant. Ok, ça c'est pas mal, maintenant on va pouvoir aller piocher à fond notre golem. On a vu hein, les squelettes qui font un travail magnifique en défense. On n'a pas besoin de plus et c'est vraiment également une des forces, une des puissances des squelettes défensifs. Ça vous permet justement de pouvoir gérer, de faire des grosses values en élixir, hein, comme on a vu sur de la voleuse, sur du cochon ou autre. Et là voilà, là du coup on a le push, on a tout notre élixir en offensif et on peut rajouter un bûcheron. On peut essayer d'aller faire le kill élixir, hein. On peut complètement essayer d'aller faire les trois couronnes, hein, d'aller chercher le pass royal évidemment. Allez le bûcheron sur la tour. Et là le bûcheron sur la tour c'est obligé, c'est passe royal qui passe, hein. C'est les trois couronnes, bim, c'est réglé. Ah ouais, c'est pas mal. Vous avez vu comment on subit les mousquetaires en fois 1, c'est vraiment la grosse galère. Mais derrière en fois 2, ça se passe beaucoup mieux. Une petite foudre, la foudre qui fait toujours plaisir, hein, qui met un petit one shot sur la mousquetaire. Alors on peut rajouter en film. 5514 trophées, c'est pas mal. Si on fait une petite win, on a 5500, ça serait 5550, ça serait vraiment pas mal. Fritozo de Tizn. On a sorcière la nuit, bébé dragon, bûcheron MG. Okay. On attend. Oulala. Et j'ai pas de tornade, moi. Elle est où la tornade? Elle est là, la tornade. Eh ben, il a fallu cycler pour la récupérer, cette tornade, hein. Okay. C'est pas très sympa de commencer avec des opening play comme ça. Alors, c'est un peu pile ou face qu'il a fait, mais ça reste un pile ou face qui fonctionne souvent bien, donc c'est acceptable comme pile ou face. Alors, il joue du bûcheron ballon. Il y a un monde dans lequel on devra défendre à la foudre. Foudre, c'est pas déconnant sur le bûcheron ballon. On verra bien ce qu'il a décidé de jouer. On attend un petit peu là. Ce qui est important, ça va être aussi de garder l'AMG et de garder des réponses évidemment sur ses attaques. En fois 1, ça va être assez galère. Ok, Varion. Ok, Zappy en plus. Oh, ça va être relou ça. J'aime pas cette idée, hein. J'aime pas du tout cette idée. Hein. Tu devrais arrêter. Okay, bah, je vais devoir faire ça. Hein. Ah, c'est ok. Ça lui a coûté cher, ça lui a coûté... On sorcier en plus. Mais qui est son deck? Donc là, il a son bûcheron ballon, mais on a la MG, on a la sorcière de la nuit. On devrait pouvoir défendre.
On est devant Onyxia, mais bon, de là à dire qu'on va... Ok, sans se douter qu'il allait mettre le ballon cash. Est-ce qu'il y a besoin? Je pense pas, hein. Ouais, il y a pas besoin. Parfait. On économise 3 élixirs sur la bonne intuition du public. Ok, alors parfait. Oh là 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 là. Oui, ça je dis oui. Ah bah ça va être un golem, hein, tout de suite. Merci pour son électro bizarre en plus. Ça fait extrêmement plaisir. Déjà qu'on a défendu son push qui coûtait 9 avec 7. En plus, il a remis 4 d'élixirs. Enfin, autant vous dire que là, le golem, il marche, quoi. Ok. Allez, on va essayer de récupérer pour avoir la foudre. Pour pouvoir gérer, justement, son zappy, son sorcier, etc. Un PV dragon. Ok, ça c'est parfait, ça c'est nickel, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, KMG, c'est pas vraiment d'utiliser la tornade pour défendre son ballon. Notre but c'est d'essayer de mettre un petit peu de pression, même s'il lui reste du coup son zappy sur la tour. C'est pas très grave, voilà, on va mettre une tornade pour gérer tout ça. On va remettre une sorcière de la nuit très offensive. Alors je pense pas que ce soit un bon play, mais c'est pas grave. La MG qui connecte, voilà, on a portée de foudre et c'est ça qui monte. Ok, parfait. Là, ça a utilisé son bûcheron défensif. Pas de soucis pour nous. Voilà, les squelettes qui font un travail magnifique. Magnifique, les squelettes. Ok, bah voilà. Pack. L'AMG pour défendre le ballon. Oh, puis là, on est bien. là, autant vous dire qu'on n'est pas trop mal. On est plutôt bien dans la game. On peut balancer un golem n'importe où sur la carte. Let's go, guys. Let's go. Oh, c'est clean. Franchement, je suis content. On a bien géré ça. Fritozo, on a tombé Fritozo. Alors 33 trophées, ça nous amène à 5547. Mais ça monte, ça tombe très bien. Si à chaque fois on fait 100 trophées par vidéo, ça va vite. Alors, obtenir le pêcheur. Ok, bon peut-être un jour, attention, il va être bien. Je pense qu'il est pas si nul que ça. Alors on ferait une vidéo dédiée pêcheur qui va arriver bientôt. Donc on va vous échanger notre avis évidemment sur cette magnifique créature qu'est le pêcheur. Je pense en vrai qu'il n'est pas si nul que ça, en plus il va être refondu, mais après il faut réussir à justement construire un peu autour, voir dans quel deck il peut rentrer, etc. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors on est à 18 sur le pass royal, sur 31, bon ça va avancer assez vite, hein, parce qu'on va essayer de faire quelques parties dans les jours à venir sur du défi, etc. Donc ça devrait aller assez vite sur le pass royal. Bon, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez pu apprendre des trucs, j'espère surtout que vous avez kiffé la première partie, elle était magique cette première partie. Était d'un grand niveau évidemment. Excellente journée à tous. Si vous n'êtes pas déjà abonné évidemment, n'hésitez pas à aller vous abonner. On n'est pas loin des 10 000. Ça, on est 10 000. C'est un cap énorme, c'est un cap important, c'est un cap qui ferait extrêmement plaisir. Ça vous permet également évidemment de recevoir les notifs, de pouvoir voir les différents contenus qu'il y a, donc de pouvoir apprendre différents archétypes de le monde du jeu vidéo et compagnie. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. À très vite.